Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Skylander Trap Team. J'espère que vous allez bien et j'espère que le dernier épisode vous a plu. Et donc vous avez voté pour Ice Maul, hein, bien entendu, parce que bien sûr il est très fort, mais il pourrait être encore plus fort. Mais qu'est-ce que ce point d'interrogation? Tu as trouvé le... Pas le temps. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Il y a un truc qui est tombé, un parachutiste, je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, écoutez, on a trouvé un truc, je ne sais pas ce que c'était. Donc, on avait trouvé donc... oui, vous aviez le choix entre œil combattant ou œil voyageur. Et le plus d'entre vous... C'était assez serré quand même, hein, je dis pas le contraire. Ah, quoique c'est un petit peu creusé, hein. On l'a vu la dernière fois que j'avais regardé. Et donc c'est œil combattant qui a gagné. Oui! Et maintenant il est fort, il est merveilleux. Alors je pense pas qu'on puisse l'améliorer tout de suite. On va vérifier ça tout de suite. 1600. Non, j'ai 1600 et ça coûte 1300. On va pouvoir acheter un truc. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est vu. On a pu faire un combo Died Brawl. Donc Activision m'a envoyé encore une figurine. Que je ne savais même pas que ça existait. C'est une figurine d'élite. Alors, j'ai pas compris. Hein. J'ai Elite Whirlwind. En gros, c'est bon, c'est un Pokémon que je n'avais pas, mais c'est pas un nouveau, je ne pense pas. Et je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, je vais découvrir ça avec vous. Je crois qu'elle est un peu plus forte. Je crois qu'elle a plus de stats. Donc, attention, vous êtes prêts. Vous allez avoir l'élite de l'élite. C'est pas n'importe qui. Alliance Elite, et voilà, je suis Warrior. Donc en gros, je suis... Waouh, il est beau. Wouh, Turbigoni. C'est beau. Donc voilà, c'est un Skylander d'élite. Donc en gros, je crois que ses stats sont un peu plus forts que la moyenne. Et il est beau, dis donc. Bon, si vous en savez plus sur les élites, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que c'est exactement. Mais il est carrément classe, hein. C'est la guerre! Mourez! Meurs, vilaine bête! Yeah! Ça, c'est badass! Bon, je me suis retrouvé donc la dernière fois où on s'était laissé. Où on s'était laissé la dernière fois. Ouais, c'est plus français hein, quand c'est à l'endroit. On va un petit peu reprendre un peu de vie. Mais niveau 1, il est extrêmement puissant, Whirlwind. C'est assez impressionnant. Il est très joli, hein, je pensais pas qu'il était si beau. Prends ça! Avec ses œufs de couleur, c'est magique! Allez, mère! Regardez ça, il prend des coups, il a même pas mal. Il est que niveau 1. Quand je vous dis que c'est un élite, c'est pas de l'élite pour rien. Mange! Prends ça! Ah, on va pouvoir appeler d'autres personnes grâce à ça. Oh, il y a une gemme d'âme. Ça me plaît pas, ça, de voir des gemmes d'âme comme ça. Je veux pouvoir y aller. Il y a forcément quelque chose que j'ai loupé. Attendez. Si je vais par là, il n'y a pas un truc qui rebondit ou autre chose. Mais pourquoi ils ont mis un truc là, c'est pour qu'il n'y ait rien. Je sens qu'on va louper une gemme d'âme. Bon, c'est pas une gemme d'âme d'un de nos Skylanders, donc j'ai envie de dire. On n'est pas à ça près. C'est parti! Oh, ils sont où nos amis? Ils sont tous morts? Bon, les méchants! Vous savez pas qui je suis? Je fais partie de l'élite d'Aeon! Eh oui! Vous êtes pris pour qui? Ils sont tous morts? Peut-être. Qu'est-ce qui est par ici? Les Skylanders du feu sont plus forts dans cette zone. Oh! Grenade! Je vais avoir besoin d'un portail de feu. Mais avant ça... Ok. À toi de jouer. Tiens. T'es pris pour qui? Vas-y, fais de la musique. Warf Gang. On l'a pas beaucoup vu dans le dernier épisode. Donc on va en profiter là. Tiens. Tiens. Fais de la musique un peu. Yeah. Il nous faut un piège de feu. J'ai rien préparé.
Je l'ai trouvé. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Tu es à moi! Eh oui! Tu m'appartiens maintenant. Grenade capturé. Tu fais-moi ton fier. Allez hop, on va le prendre. Grenade. Enfin, on va le prendre. On va reprendre après Wolfgang. Ne vous en faites pas. On va quand même regarder ce qu'il fait. Il peut se faire péter lui-même et... Oh, il peut faire des petits... C'est mignon. Bon, écoutez. C'est trop mignon. Mais il n'est pas plus puissant que Wolfgang. Donc, on va reprendre Wolfgang quand même. C'est quand même un... Hein, c'est pas n'importe qui en plus. Hein, c'est un des boss. C'est quand même dommage de passer à côté. Allez, viens Wolfgang. Oui. Allez hop. C'est l'heure du show. Il fait froid en ce moment. Peut-être tant que tu réchauffes l'atmosphère. La bonne blague. Ah mon dieu. Que de rire. Que de rire. Qu'est-ce que je fais là, moi? C'est pas par là qu'il faut aller, si? Oh! On a trouvé une tablette! Avec un truc sûrement extrêmement intelligent, j'en suis sûr. La méditation de Boom, chapitre je ne sais plus combien. C'est parti. Les gens disent que mes enchiladas sont tellement bonnes que personne ne peut les manger sans pleurer. Ouais, voilà. Qu'est-ce que ce truc? Ouah, la gemme d'âme! Oui! La gemme d'âme de Enigma, qui a l'air bien sympathique. Oh oui, il a l'air bien sympa. Voyons voir. Ah, c'est un Trap Master! Ça s'est vu avec l'arme. On va rappeler des renforts parce qu'ils m'ont l'air d'être décédés tous là. Salut! Je suis Wolfgang! Pense ça! T'es pris pour qui, sérieux? Ils nous font une bombe là, c'est ça? Non, je crois pas. Pourquoi ils m'ont donné une bombe tout à l'heure? Par le pouvoir! Attendez, il a pas que ça? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Ah, il peut lancer du vent! Enfin, pour l'instant! Après, on pourra certainement lui augmenter ses stats. Ils ont ouvert, alors on n'a pas été par là. Alors je sais pas pourquoi on a besoin d'une bombe. Oh, de l'argent. Ça tombe bien, Wirewind en a besoin en ce moment. Bah, vu que c'est un nouveau, faut quand même qu'on reprenne les choses en main. Rien ne se casse, c'est injuste. Vous allez me pardonner, hein, je pense qu'on va garder Wirewind tout l'épisode parce que. Bah, il est niveau 4, le pauvre. Vous en faites pas, on en verra plus la prochaine fois. Tu n'as pas intérêt à être là pour voler notre fusée super secrète. Oups! Je n'aurais sans doute pas dû mentionner la fusée super secrète. Mais je suppose que ce n'est plus un secret de toute façon, puisqu'elle est devant tes yeux. Et en plus, tu es en retard. Quoi? Venez vous battre. Je vous attends. Prenez ça. Allez, vas-y, à toi de jouer, Wolfgang. Prends ça. Eh oui, Wolfgang, il est trop balèze. Joue, joue. C'est très moche que tu joues, mais joue. Hop, niveau gagné pour Wirewind. Je suis là. Prends ça. Ah, tu t'es pris pour qui là? Allez! Hop! On lui montrera ses stats après. Ça, c'est une. J'en suis sûr. Ça, je vous le promets. Esquive! Quoi, c'est tout? Viens là! Ha! Je lance des œufs toutes les couleurs. Je suis Nyan Cat. Nyan Bird. Yeah! Bon, ils montent très vite de niveau, hein, c'est fou. Par contre, j'aimerais récupérer ça. Ah oui, bah oui. Tiens, mourez. Bien fait. Waouh. Raté.
Non, tu ne mourras pas, toi. Skylander tout pourri. Tu es un Skylander pourri. Un Skylander, non, mais... Ouais, vous avez compris, il y a des ennemis qu'on a... Tiens, lui aussi, on l'a. Je pense que tous les ennemis sont capturables, finalement. Mais à des moments clés, certainement. Et hop, niveau 7. On va plus pouvoir changer le Skylander, finalement. Hop là. Mange. Aïe, aïe. C'est mal, non? Ça picote. Bonjour. Vent. Sacrément classe. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on a beaucoup qui me demandent comment... comment je fais pour que Activision m'envoie des... comment ils m'ont envoyé le jeu et bah là comment pourquoi ils m'ont envoyé ça donc en fait on a pris contact avec moi par rapport à mes vidéos et ils voulaient savoir si ça m'intéressait de recevoir certaines choses donc j'ai dit oui et j'ai envoyé mon mail et après j'ai envoyé mon adresse et tout ça donc en gros ça s'est passé comme ça. Ils ont pris contact avec moi je pense parce que je faisais des vidéos et qu'il y avait beaucoup de gens qui les regardaient je pense. En tout cas ils m'ont pas dit pourquoi moi. Et je crois que ça doit être ça. Donc voilà, au moins ça répond à vos questions. Pour ceux qui se posent la question encore un cadeau, mais c'est un jeu, nous, j'en ai jamais rien. Bah oui. Écoutez. Bon après, il y a que ça que je reçois. Hein. Je reçois pas des jeux gratuits. Je reçois rien de gratuit à part ça. Tous les jeux que je joue avec vous, c'est moi qui ai payé. Avec mes petits sous. Ouah ! Ouah ! Mais je suis élite, je suis un Skylander d'élite. Attention les méchants, vous n'êtes pas censé vous faire toucher. Allez, viens là. On va prendre ça. Bon niveau 9, après ça sera bon, on pourra changer. Mais de toute façon, là je crois que c'est la fin de l'épisode bientôt. Prends ça. Tu te calmes. Arrête-toi. C'est pas facile de viser si tu fais que de bouger. Prends ça. De toute façon, les vrais boss, c'est quand même les plus durs à avoir, c'est quand même les boss de base. Qui sont Wolfgang et j'en passe, c'est des meilleurs. Yeah! Capturé! Et il le faut un portail de l'eau. Il est où le portail de l'eau? Je le cherche! Allô? Je l'ai! Allez, tu es à moi! Tais-toi maintenant! Ça valait la peine de s'envoler! Haha! Threadpack capturé. Ouais? Threadpack. C'est un nom assez étrange, mais pourquoi pas? Allez, viens! Et à la place de Brown and Sheen. Je sais même plus si je l'avais amélioré ou pas. Bon, c'est pas bien grave. On commence tellement à en avoir que finalement. On ne sait pas. C'était une belle démonstration de tes talents au combat. Maintenant que nous avons la fusée des trolls, nous pouvons l'utiliser pour rejoindre les Sky Islands. On va s'amuser. Super boom. J'ai toujours rêvé de voler à bord d'une fusée. C'est l'une des joies de l'existence, camarade. Tout comme jouer au ping-pong et manger des enchiladas. Tu aimes les enchiladas, toi aussi? J'ai une bouche, non? Ils ressemblent beaucoup, ce serait pas... Ce serait bizarre, c'est les mêmes, mais l'autre il est un peu plus vieux. Est-ce que ce serait pas sans lui du futur? Hein, oui. Bon, je pense pas, mais... Parce que... Sinon, pourquoi il a encore un œil? Ouais. Donc un jour, il parlera son œil si c'est lui. Bon, en fait, c'est même pas lui. Maintenant qu'on a la fusée, qui est partant pour un voyage dans les Sky Highlands? Désolé de vous l'apprendre, mais cet endroit est peuplé de méchants pirates. Ils sont cruels, violents et vraiment mauvais. Et ce n'est pas le pire. En plus, si vous pensez pouvoir battre leur armada avec votre vaisseau Rikiki, vous êtes encore plus fou que lui. Ça me fait mal, mais il a raison. C'est dangereux pour un seul vaisseau. Et j'ai l'air fou. On s'est dit que vous pourriez avoir besoin d'aide. J'ai récupéré de vieilles machines volantes des Skylands. Je les ai préparées pour le combat. On a donc notre propre flotte. Maintenant, allons affronter ces pirates. Ouais. Oui, oui, super. Il a eu un sourire narquois. Étrange. Bon, on va améliorer ce petit Whirlwind.
Avec tout l'argent qu'il a, je pense, normalement. Ou elle. Normalement. Et, là, ce qu'il faut. Donc, on peut augmenter ça. Oui. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ah, oh, à chaque fois, on est obligé de rappuyer. Ça, c'est nul. Non, elle, c'est la reine des... De la météo, on dirait. Puissance de la tempête. Ouais. Envie d'une autre amélioration. Toujours. Ben on va continuer comme ça. Hein. Ah ben on a largement ce qu'il faut. Oui. Et si on allait voter pour son amélioration prochaine, ça risque d'être grand, ça risque d'être très probable. Oui. La dernière amélioration magique. Ouh, sinon on pourrait prendre ça directement. Ça m'a l'air totalement swig. Allez, on prend ça. Donc on pourra pas voter pour la prochaine fois, mais on votera après. On a le temps, hein, vous inquiétez pas. Oui, puissance de la tempête. Donc on a, vous avez pas voté aujourd'hui, vous êtes, c'est les vacances. Ah, ils volent, elles volent maintenant, bien entendu. Je pensais qu'il y avait un truc qui avait apparu. Wow. Moi j'aime bien. Personnellement, dites-moi ce que vous en pensez de ce Skylander là, mais franchement. Il a de la classe, il a des belles ailes et tout. Hein. Bien sympa. Bon, les amis, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre le petit j'aime, le petit commentaire, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao !